Ces Couturiers resteront en tout cas l'homme qui a dit non. Août 1978, et la date que le général de Gaulle avait choisie pour faire une tournée en Afrique. La Guinée-Conakry a été rajoutée un petit peu à la dernière minute parce qu'un certain nombre de conseillers du général de Gaulle connaissaient le tempérament parfois abrupt de Sékou Touré. On n'était pas tout à fait sûr de la décision qu'il allait prendre, faire voter oui ou faire voter non. Les pessimistes disaient il va faire voter non, mais il y avait aussi d'autres personnes qui connaissaient assez bien Sékou Touré qui disaient non, c'est pas du tout sûr, il se peut tout à fait qu'il fasse voter oui. C'est le général de Gaulle lui-même qui a voulu faire une tournée. Et puis, à ce moment-là, on lui a dit « Ah, mais si vous arrêtez à Abidjan, si vous arrêtez à Dakar, entre les deux, vous pouvez aussi faire une escale à Conakry, puisque Conakry se trouve entre Abidjan et Dakar. Et là, il y a M. Sékou Touré, qui est un homme difficile, qui voudrait bien voter non, mais peut-être que si vous passez une journée à Conakry, si vous parlez avec lui, peut-être arrivera-t-on à le convaincre de voter oui au référendum constitutionnel. » Et général de Gaulle a décidé de s'arrêter à Conakry après avoir été à Abidjan et avant d'aller à Dakar. J'ajoute que, comme gouverneur général, moi j'étais hostile à cette idée-là, et j'ai déconseillé fortement cet arrêt. Parce que je sentais les choses qui tournaient allègres. 25 août, 8h du matin. Sékou Touré est le seul leader à avoir choisi une tenue africaine pour accueillir De Gaulle. Il marque déjà sa différence. Pourtant, malgré l'inquiétude de la délégation française, ce jour-là, tout commence bien. La foule est rassemblée.
et elle acclame le cortège présidentiel. De Gaulle a bien entendu ça. Mais pour lui, il croyait que Sili c'est lui. C'est pas lui. Sili c'est Sékou Touré, c'est l'éléphant. Oui, c'était pas lui, c'est l'éléphant. Le peuple entier de Conakry était présent, acclamant. Et c'est ce que les accompagnateurs du général de Gaulle n'ont pas compris. C'est que les acclamations s'adressaient, sinon beaucoup plus, du moins autant, à Sékou Touré, qui était à ses côtés dans la voiture. C'est d'ailleurs pour que ces acclamations ne se trompent pas, ou ne puissent pas se tromper, que j'avais tellement insisté, car il avait fallu que j'insiste beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour que le président Sékou Touré, qui était maire de Conakry depuis plusieurs années, qui était député de la Guinée, qui était vice-président du Conseil du gouvernement, et qui venait d'être nommé président du gouvernement depuis le 15 juillet, soit à côté du général. Avant d'arriver à l'Assemblée territoriale, le général de Gaulle a un entretien bref avec Sékou Touré, en tête à tête, à la résidence du gouverneur, et pendant ce temps-là, le ministre et moi, nous lisons le discours que va faire Sékou Touré et que le gouverneur Mauberna nous communique. J'étais d'ailleurs de très mauvaise humeur vis-à-vis de Mauberna parce que j'aurais dû recevoir ce discours, au moins par téléphone ou par télégramme, la veille ou l'avant-veille, pour pouvoir éventuellement demander des corrections, et en tout cas pour le communiquer au général de Gaulle, pour qu'il sache à quel discours il répondrait. Or, Mauberna s'est mal débrouillé, c'était un mauvais gouverneur d'ailleurs, Mauberna s'est mal débrouillé, et il n'a le discours de Sékou Touré que depuis le matin même. Et c'est ce discours que Mauberna communique Bernard Cornu-Gentil, le ministre de la France d'Outre-mer, et moi, pendant que le général de Gaulle est en train de parler avec Sékou Touré dans le bureau du gouverneur. Donc je parcours ce discours, je dirais en diagonale, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, et Bernard Cornu-Gentil a la même technique que moi, il lit très vite ce discours. Nous avons la même, nous retirons de notre lecture la même impression, c'est que ce n'est pas un bon discours, mais que ce n'est pas un discours désastreux non plus. Sékou Touré ressort ses formules habituelles, mais il n'y a dans ce discours que des points d'accrochage et non pas des choses inacceptables. À l'Assemblée territoriale, il y a eu trois discours. Un discours du président de l'Assemblée territoriale qui était un discours, je dirais, sans histoire. Ensuite, il y a eu l'allocution de Sékou Touré, qui était assez véhémente, assez directe, qui interpellait en quelque sorte le général de Gaulle en rappelant que la Guinée avait droit à son indépendance et qu'il y a quelques phrases qui sonnent comme des slogans, que la Guinée préférerait la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Il y avait évidemment devant la salle de l'Assemblée territoriale de nombreux militants de ce qui était en train de devenir le parti unique en Guinée, le PDG, le Parti démocratique de Guinée, qui, sur des signaux donnés par des responsables, applaudissait à tout rond. Y aurait-il une part de sa qualité d'homme
et en fait arbitrairement un être intérieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Au milieu de ce tonnerre d'applaudissements, quelque chose accroche l'oreille, comme un retard à l'allumage. Et en fait arbitrairement un être intérieur. Nous préférons la pauvreté. C'est tout le contraire d'un retard. Quelqu'un a applaudi avant. Nous nous sommes organisés. Moi, j'étais à Mbou. J'étais d'abord d'un côté et d'autres étaient de l'autre. Et je donnais chaque fois le temps. Mais pas ça qu'il fallait applaudir frénétiquement. Il fallait le faire. Oui, il fallait dire bravo. Vive l'indépendance. Vive le Nord. Nous avons tellement approuvé le rapport sur toute la ligne que De Gaulle s'est levé, il a répondu et il a dit ce qu'il pouvait dire. Sékou Touré s'est levé et a prononcé son discours, le discours que nous connaissions tous. Mais ce qui a surpris, ça a été le ton employé par Sékou Touré, qui a employé le ton qui lui était, et qui lui est encore certainement, habituel. C'est-à-dire le ton de quelqu'un qui parle dans un meeting et qui appuie non seulement de la voix, mais du geste et du poing sur la table les principaux passages. Ce qui fait que ce discours qui ne différait absolument pas de tous les discours antérieurs de Sékou Touré a fait une impression assez extraordinaire. Oui, le général s'est levé à ce moment-là, a répondu par un discours très bref, dans lequel il disait deux choses principales. Premièrement, je me suis aperçu en écoutant les orateurs que la France avait fait du bon travail et que la langue française était possédée et maniée d'une façon extrêmement brillante. Et deuxièmement, vous voulez l'indépendance. Si vous voulez l'indépendance, vous n'avez qu'à voter non le 28 septembre et la France n'y fera aucunement obstacle. Point. À la ligne. Elle en tirera bien entendu les conséquences. Messieurs, bien du plaisir. Et bien que Sékou Touré ait eu des phrases tout à fait, je dirais, positives, il a notamment dit qu'il ne s'agissait pas du tout de vouloir se séparer de la France, que la Guinée souhaitait devenir indépendante et conclure aussitôt des accords d'association avec la France. Sékou Touré avait dit, ce qui était une position parfaitement logique, si la Constitution nous donne le droit à la libre disposition, la possibilité de régir nous-mêmes nos propres affaires, ce que ne laissait pas la Constitution de 58, qui c'était ou bien vous acceptez la communauté, ou bien vous êtes exclu. S'il y avait donc eu une autre version de la Constitution, la Guinée ne voulait pas, et Sékou Touré ne voulait pas la séparation. La séparation, elle a été imposée par le général de Gaulle. Mais qu'elle ne voulait pas la communauté française, puisque dans la communauté, la France se réservait la monnaie, la défense, les affaires étrangères, etc. Toutes choses qui n'étaient pas le cas, par exemple, dans le Commonwealth. Dans le Commonwealth, le Ghana, qui a accédé à l'indépendance un petit peu plus d'un an avant la Guinée, en mars 1957, a eu droit à un message de la reine Elisabeth, un message du premier ministre Macmillan, à la duchesse de Kent, qui était la nièce de la reine, qui a passé 4 jours à Accra au moment de l'indépendance. On savait que le Ghana resterait dans le Commonwealth, resterait dans la zone sterling, et dès le lendemain de l'indépendance, la Grande-Bretagne a soutenu la candidature du Ghana à l'Organisation des Nations Unies. Toute chose qui, un an et demi après, en Guinée, ne se produiront absolument pas.
Sékou Touré m'a dit un jour de lui parler de ce projet de biographie, déjà alors que j'étais en poste là-bas entre 75 et 79. Alors d'abord comme l'un de ses, comment dire, l'un de ses mots favoris, c'était le mot « peuple » qu'il écrivait d'ailleurs toujours avec un P majuscule. Je lui ai dit un jour, j'écrirai votre biographie. Alors il s'est tout de suite récrié en disant mais non, vous n'y pensez pas, c'est pas moi qui suis important, c'est pas l'homme qui est important, c'est le peuple. Mais ça a quand même dû le travailler un petit peu, puisque quelques jours après, il m'a dit, si vous tenez toujours à ce projet, je vais vous donner quelques conseils de personnes qu'il faudrait voir, qui m'ont connu quand j'étais... quand j'étais jeune, quand j'étais écolier, quand j'étais syndicaliste, etc., etc. Toutes personnes que j'ai vues, évidemment, au fil des années. Le général de Gaulle a très mal pris ce discours, il n'est d'ailleurs pas venu à la réception et au dîner qui était organisé pour lui au palais du gouverneur, et le lendemain matin, en prenant l'avion pour Dakar, il a assez sèchement pris congé de Sékou Touré en disant à ses collaborateurs, à lui, le général de Gaulle, nous ne ferons jamais rien avec cet homme-là. Bien des années plus tard, Sékou Touré m'a dit que le général de Gaulle ne pouvait pas savoir que j'étais obligé de parler très fort dans mes discours parce que comme ma maman était un peu sourde, déjà comme enfant, j'étais obligé de pleurer plus fort que les autres pour avoir du lait. C'est évident que personne n'avait cru utile de dire ça au général de Gaulle, à supposer même que quelqu'un l'ait su, mais j'ai vérifié auprès d'une vieille sœur de Sékou Touré bien des années après, et c'est vrai, leur maman était un peu sourde et il fallait parler fort pour se faire en entendre. Mon mari descend de l'Allemagne, Missa Mouritouri. Sa grand-mère maternelle était la fille de l'Allemagne Missa Mouritouri. Et lui, il a été orphelin très jeune. Il a perdu ses deux parents la même année. Élevé donc par cette grand-mère qui est venue habiter à Farana pour s'occuper de ses petits-enfants. Et ils étaient trois de même mère, mon mari l'aîné et ses deux sœurs. Donc, élevé par cette grand-mère, qui lui a enseigné l'histoire de son père, l'Allemagne Missa Mouritouri. Et à l'école, c'était toute une autre version que le jeune Sékou Touré entendait et qui le révoltait. D'abord, sa grand-mère, Maramata Touré, n'a pas voulu qu'il aille à l'école parce qu'elle était contre les Français qui ont arrêté son père, l'Allemagne Missa Mouritouri, l'ont déporté. Mais le jeune garçon était attiré par l'école. Il suivait ses camarades quand ses camarades allaient en classe. Il les suivait, mais comme lui n'était pas encore inscrit, il restait en dehors de l'école. Il les attendait jusqu'à leur sortie. Le maître d'école a fini par remarquer ce jeune garçon qui était toujours, il était assidu, il était là, mais il ne pouvait pas rentrer en classe. Il a fini par l'accepter avec ses camarades à l'école. Mais quand la grand-mère a su que son petit-fils allait à l'école, elle est allée pour le sortir. Elle a dit non, mon petit-fils n'ira pas à l'école française. Donc, très jeune, il s'est vu lancer dans la vie. Mais c'est un autodidacte, il s'est formé tout seul. Mais enfin, donc c'est quand même ce tournant du mois d'août, et puis le non massif du référendum le 28 septembre, qui a fait que la Guinée a proclamé son indépendance le 2 octobre 1950.